Voilà, alors je viens de lancer le record pour le live de cette semaine, live du 20. Live qui était au départ consacré à farming, mais j'ai de très 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 gros bugs sur farming, je sais pas ce qui s'est passé. Quand j'ai voulu sauvegarder, ça mettait un temps pas possible. Derrière, on avait... Moi j'ai eu un gros freeze du jeu, et impossible de redémarrer les cartes et tout, j'étais complètement embêté. Impossible à redémarrer, donc du coup je passe sur du Minecraft. Donc voilà, alors là oui, vous avez dû le voir dans mon coffre de ressources précieuses. Vous le verrez lors du live et pour la rediff. 21 têtes de Wither. Et oui, et vous allez voir aussi encore dans mon underchest pourquoi il y a autant de têtes de Wither. Parce que ben je m'amuse à aller ravager les forteresses pour avoir des ressources. Du coup ça c'est pour le spawn, j'en veux pas. Ah ici tous mes coffres étaient vides sauf on va dire les deux tiers de ce contenu de ce coffre là ici n'était pas vide techniquement. Il était juste déplacé en bas des tours que j'ai fait la semaine dernière. Ah bah tiens, il va manquer un peu de place. Du coup c'est pas grave, on va mettre là. On va remplir les fioles, je vais remettre le wagonnet là-dedans. Je vais reprendre mon épée normale. Aussi autre chose, je me suis fait le Nick Arc 3 parce que le Nick Arc 2 était en fin de vie tout simplement. Et par contre dessus j'ai réussi à coller Infinity. Alors au lieu d'avoir Flame 2 j'ai Flame 1 puis j'ai Infinity. Bon, moi ça me va très bien. Donc voilà. Du coup je me demande si je vais regarder pour si je tweet. Je vais tweeter changement pour le live. On est sur Minecraft. Hop. Je vais mettre gros plantage FS15. Voilà. Et je vais recopier l'adresse ici. Toc. Alors pour le live, on est sur Minecraft. Donc ici. Voilà, gros plantage de FS15. Toc, allez, c'est parti. Hop. Je rebascule, impeccable. Alors. Donc du coup, moi, je vais vous montrer ce qui a été fait depuis le live de la semaine dernière. Et ce qui a été fait aussi en pseudo-off. Mais toujours pareil, je tourne avec le replay mode. Ah oui, je le rappelle pour ceux qui n'étaient pas là en début de live et quand on a commencé à jouer sur farming. J'ai eu des problèmes de PC qui ont fait que j'ai dû formater mon disque dur principal, mon SSD. Et du coup, j'ai perdu quelques fichiers, dont presque 4 heures de replay mode sur la formation des terrasses qu'on va voir dehors. Voilà. Donc il y a une partie que j'ai pu, que j'ai pas. Donc je vous montre. Voilà à quoi ressemble le biome maintenant. Au niveau de la maison, vous barrez pas parce que vous avez déjà cassé plusieurs fois vos laisses. Alors, ce qui me manque, c'est vraiment la création des terrasses. Après, je sais plus, je sais que ça, j'ai modifié parce que c'était la cobble à la base. Mais voilà, en fait, on a pas mal de petites choses. Hop, j'ai remis un beacon ici, du coup. Le plus embêtant pour moi ça va être de farmer les têtes de Wither. Attendez. Hop, ça c'est bon. Voilà, tout simplement. Alors, moi je vois que le soleil va se coucher, donc on va les faire dodo. On va se prendre peut-être. Du coup, comme c'était pas du tout prévu, je vais voir un petit peu ce que je vais faire. Est-ce que je fais un petit peu de terraforming? Est-ce que... est-ce qu'on récolte des ressources? Est-ce qu'on... je sais pas en fait. Je suis en train de réfléchir un petit peu ce qu'il y a à faire.
La déco des murailles, peut-être, je ne sais pas, ou peut-être... y a un bâtiment qui va venir là, il y en a un là. Le temps que ce soit Isuku, je vais vous montrer. Par la suite, il y en aura un adossé ici, un plus petit, avec le chemin qui passera là. Et je vais vous montrer ici, ça a été terraformé aussi derrière, quoi, ça a été terraformé. C'est un bien grand mot. Là, ici, c'est le sol dans... Quoi, c'est le mur du sous-sol. Ça, c'est la base de l'escalier. En tour, la tour escalier. Et là, ici, j'ai fait cet accès pour pouvoir justement arriver derrière le manoir et accéder aux plateformes qu'il y a derrière ici. Hop, voilà. Il y a des plateformes, les grandes plateformes à bien réaménager. J'ai fait un petit pont en bouse pour y accéder. Donc voilà. Alors, pour aller plus vite, je vais passer par là. On va aller au dodo. On va aller au dodo là, c'est rapide vite. Parce que je crois... si, il me semble que j'ai remis un lit au sous-sol. Je suis plus sûr. Hop, on va aller au dodo tout de suite. Alors du coup, bah, vous le voyez, hein, la place où se trouve bah, le manoir, etc. On commence vraiment à avoir une belle inspiration médiévale, ce que je voulais donner. Tout en étant bah, sur mon style en fait. Que je commence à me créer. Et oui, parce que jusqu'à présent, je faisais beaucoup de constructions avec des inspirations de ce qui existait déjà. Que ce soit en réel ou dans Minecraft. Donc je m'inspirais beaucoup de choses déjà qui existaient. Ou alors je fais de la repro. De la repro, vous le voyez, avec les châteaux de la Loire, etc. Et là, c'est vraiment un truc pondu de ma tête. Donc c'est vrai que ça va assez vite à faire quand l'idée on la tient quoi, c'est surtout ça. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je me pose bien la question. Qu'est-ce qu'on va faire pour le coup? On va aller voir ça. Alors, je suis accompagné de Vivi en vocal. Donc voilà. Je sais pas si Vivi dit bonjour pour YouTube. Bonjour YouTube. Voilà, parce que ben on a dû changer de jeu. Ouais, si je veux aménager les tours et tout. Ah ouais non, les murailles, je suis pas prêt en plus. J'ai pas vraiment le pattern de ce que je veux faire. Ça me saoule un petit peu parce que du coup je sais pas trop quoi faire. Parce qu'il y a des trucs que j'aurais bien voulu designer un petit peu en off, voir ce qu'il y avait. Ouais. Ça m'embête un peu parce que là je suis pris de court, franchement. Je pensais pas devoir changer de jeu. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait le petit bâtiment qu'il va y avoir là? Pourquoi pas? On peut essayer de faire le petit bâtiment d'ici. Bon allez, on va y aller complètement modulo. Je sais pas du tout comment je voulais designer ça. On va prendre des matériaux et puis on va y aller en mode fifou. Ces pioches-là, j'en ai techniquement pas besoin. C'est mes pioches pour raser la forteresse. Je vais garder Acid Touch. Alors, prendre quelques escaliers, des barrières, ça peut servir, des blocs. Je vais rechercher des blocs de Nether Brick parce que j'en ai pas assez. Un stack de boost pour pouvoir faire des échafaudages. On va prendre un peu plus de bois. On va aller chercher de la clé. De la Nether Brick. Donc des escaliers, des blocs. On va attaquer ça tranquillement. Allez, c'est parti. Ah, les blocs sont là. On va prendre le fond de stack qui est ici. Est-ce que je prends quelques escaliers? Un petit stack d'escalier, c'est pas mal. Un petit stack de barrière. Deux petits stacks de clés. On va voir comment on procède. Allez, on y va. On est parti en mode YOLO. YOLO swag. Ouais, c'est parti. Donc du coup, comme là, j'ai commencé là, Minecraft, ça fait combien de temps? 10 minutes peut-être? Il était un petit 3 heures.
Bah, je vais pousser jusque 4 avant la pause. Et après, on fera une dernière heure ensemble jusqu'à 5h, 5h30, quoi. Une heure et quart de... Voilà, en plus. Alors, je vais... petite chose que vous avez dû voir sur la chaîne, bah, l'absence de vidéo dimanche. Non, on va pas partir comme ça. En plus, j'ai pas pris de hache. Fuck. Je retourne chercher une hache parce que je mets 10 ans à casser les bûches autrement. Vous avez dû le voir par l'absence de vidéo dimanche, disais-je. Les redifs de live, parce que le problème à chaque fois c'est 2 ou 3 heures. Le temps de... Le rendu et tout, ça va. C'est pas ça qui me tue le plus. C'est la mise en ligne avec YouTube. C'est la grosse galère, les gros fichiers. Une hache. Voilà. Et du coup, j'ai pas été prêt pour mettre ça en place dimanche. En plus, avec la... le formatage de mon SSD et tout pour remettre en route mon PC et tout. C'était un petit peu la merde. Donc voilà. Voilà, donc j'ai décidé, pour me laisser du temps, c'est tranquillement de faire les montages, mettre en ligne les vidéos, etc. Mais le diffuser le mercredi qui suit. Donc c'est dire, cette rediffusion ici, vous allez la voir mercredi prochain dans l'après-midi, qui sera planifiée donc sur la chaîne, tranquillement. Donc ça, vous le verrez comme ça sur la chaîne. Et tout simplement, alors, j'aimerais bien, comment j'avais fait là-bas, ouais, tout simplement comme ça, ok, bon, je me souviens déjà plus comment j'avais fait, alors, on va monter les murs, on percera les ouvertures après, c'est pas grave ça, hop, donc du coup, tac, alors pour rester vraiment dans les influences médiévales que je veux donner, cet endroit-là ici, ça sera une maison de garde, ce qui semble être logique. On est à mi-chemin entre le manoir. On est pile sur la route, voilà, à mi-chemin. On est juste à côté de l'accès ici, à la haute cour. Je sais même plus si ça s'appelle comme ça, parce que je sais que il y avait la basse cour à la haute cour, il me semble. On va dire sur des plans traditionnels de château, hein, de fortification. Mais bon, voilà, j'ai déjà plus de laser brick, je m'en doutais. J'en ai pas pris assez. Bon, on va en rechercher, c'est pas grave, je prends tout de suite 4-5 stacks, comme ça. J'en aurai assez. Alors bonjour à la personne qui sera arrivée sur le live. Je sais pas si c'est toi Vivi qui te serait reconnecté. Ouais, j'y suis, mais je suis reconnecté. Ah d'accord, ok. Non mais j'ai un... Comme quoi j'ai un viewer en fait, c'est ça. Ouais. Alors, on y va, on va prendre 3-4 stacks, toc. Là, c'est un peu foireux le truc là, hein, en même temps. Va falloir que je fasse des tests sur farming, j'espère que je vais pas devoir tout réinstaller. Parce que là, ça va me saouler autrement. Ça va falloir reconfigurer tout le volant, le joystick, le truc, le bazar. C'est pas normal que ça sauvegarde pas comme ça et que ça fait friser mon jeu en plus ça. Mais ça l'a fait planter mais littéralement quoi. Alors on va mettre la porte ici. Hop, moi je vais mettre des escaliers en bouse dedans. Du coup j'ai même pas réessayé non plus de me reconnecter au serveur en multi. Le serveur abonné. C'est un peu la mouise. Alors. Petite maison de garde, donc il n'y a pas besoin d'avoir un très très haut plafond. Je vais remettre une couche en plus pour faire le plafond. Voilà. Là. Du coup, là, on partirait là. Non, pas complètement. Pas complètement, Nico. Là, c'est le bord. Alors, bien sûr, mes blocs tombent. Alors. Pas complètement, il faut garder le chemin. Ici on a un bloc normalement. D'accord. Ça c'est fait. On remonte. J'étais en train de sneaker pourtant, j'ai pas compris à moins que mon doigt a légèrement relâché la touche. Mais j'ai pas compris ce qui se passait.
Hop. Alors, on est parti. Alors, normalement, il va avoir un rebord. Non, il n'y a pas de rebord. Attendez. Je sais même plus ce que je fais. Si, il y a un rebord pour poser l'escalier à l'endroit, l'escalier à l'envers. Ok. Hop. Alors, si vous voyez des stalagmites avec des blocs de boost, vous inquiétez pas. C'est juste moi qui fais du marquage pour la prochaine radia des stalagmites. Pour faire de la place. Parce que j'ai pas envie de tout démolir d'un coup, les stalagmites. Parce que j'aurais envie d'en garder. Même si je vais les remodeler, etc. Très certainement. Donc là, ici, il y aura l'escalier à l'endroit, l'escalier à l'envers derrière le muret. Donc là, le passage. Donc, techniquement, on pourrait même modifier un peu ici et faire... Ah ouais, on va faire un truc complètement swag. Oh, je tiens quelque chose là, les amis. On va faire quelque chose de complètement swag pour le coup. Donc on aura un escalier au bord à l'extérieur de ça. Voilà, on va faire un truc bien bien swag. C'est censé être une maison de garde. Du coup sur les côtés, on aura les accès pour les remparts. Voilà. Il va déjà faire nuit, c'est pas possible. Alors là ici techniquement on a le on a le rebord qui va venir ici. Donc là. Là ici. Bon, je vais pas le mettre beaucoup plus loin. Hop, je vais prendre le repère là ici. Voilà. On va mettre le petit F7 pour voir où ça peut spawner. Bah là déjà. Alors ce qu'on va faire, on va aller faire de dos. J'ai pas lancé le replay mode du coup. Alors attendez, je vais faire dodo. Je vais me déco reco aussi pour lancer le replay mode. Oh là là, je suis tout déboussolé là avec ce gros crash. Alors, on va faire une petite déco. Option replay mode on. Alors normalement, vous voyez aucune IP. Voilà. J'étais un peu dans le sol. What? C'est quoi ce bug? Allô? Non. Tu m'entends, Vivi? Ah ouais, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, j'étais enterré dans le sol en fait. Ah. Alors, ici on aura le plancher. Ok. Si je mets un mur là, ça fait deux de passage. Ça pas trop. Deux de passage. Du coup ici on va faire autrement. Regardez comment ça va être swag. La swag attitude. Je vais chercher des escaliers en. Oh, voilà, en stone bricks. Je fais un peu le Yamakaki. Du coup il va peut-être falloir que je mette des coffres un peu partout pour dire d'être tranquille. Hop, allez c'est parti. On va s'occuper de la partie extérieure là. Alors me demandez plus. Je sais que c'est un nom bien bien particulier. Alors ici on a normalement l'escalier là. Bon, on va modifier ici. Je sais plus si ça s'appelle pas un home ou un truc comme ça. Ce que je suis en train de faire dans les murailles. C'est une espèce en fait de chemin de ronde mais couvert en fait, abrité. Et nous on va le joindre complètement au bâtiment en fait. Donc là je vais mettre une poutre. Là aussi. En plus, j'ai pas fait exprès. Mais bon, là par contre j'ai pas fait attention. On est juste au-dessus de la porte ici. Ah putain, c'est perfect. J'ai vraiment pas fait exprès pour le coup. On n'est pas tout à fait au centre, mais c'est pas très grave. Un petit peu d'asymétrie, ça fait du bien, ça fait plaisir. Allez, c'est parti. Youhou.
On va continuer de poser du cube. Donc bah peut-être live farming la semaine prochaine si je résous le problème. Autre actu de la chaîne. 1, 2, 3, 4, 5. Je serai en mode touriste au Geeks Day ce week-end. Le week-end du... C'est 23-24, hein, Vivi, je crois. Ouais, c'est ça, ouais. Donc je serai en mode touriste au Geeks Day. Donc s'il y en a qui sont sur le nord de la France, dans mes abonnés. Voilà, c'est à Lille Grand Palais. Mais s'il y en a qui habitent le nord de la France et qui souhaiteraient venir me voir juste pour me saluer ou parler un peu avec moi. Normalement, vous reconnaîtrez ma trombine. Je l'ai déjà montré plusieurs fois dans des vidéos. Donc voilà, si vous me reconnaissez... oui, non, mais pas tout le temps. Hein. Parce que moi, je vais aller saluer Roi et Edo et une bonne partie des maçons aussi. Je vais les accueillir, hein, comme ils viennent dans notre région. Donc voilà, je serai accompagné du Tsari. Donc la dernière Lucky Cubienne qui a rejoint le serveur. Hein. Donc voilà. Et moi j'étais censé y aller mais je vais pas pouvoir. Voilà. Hop. Alors. Ça c'est fait. Du coup je vais remettre le F7 vu que je mettais déco. Mais normalement on bouffe tous ensemble du samedi soir donc ça va. Mais faut pas le dire Vivi parce que ça va créer les jalousies après. Parce que pour peu qu'il y a des gens qui nous repèrent et qui nous suivent et tout. Pas pour nous embêter mais voilà. Il y a quand même, entre guillemets, des vedettes. C'est toi qui l'as dit, c'est pas moi. Ah bah. Alors, donc du coup, ici, on va mettre... est-ce que je fais ressortir les poutres? C'était beaucoup plus joli avec les poutres qui ressortent. Ouais, mais si je mets... pourquoi est-ce que ça, c'est bien utile? Je tâtonne les amis, comme je vous ai dit, j'ai aucun plan, j'ai rien du tout. Je fais au feeling. Bon, on va faire le mur. Allez, hop. Donc, on va monter sur combien? Je monterai bien sûr... on a monté combien le rez-de-chaussée avant la... l'endroit où il y aura les, le plafond. Ça, c'est l'endroit où il y aura le plafond. On a monté 4 blocs. 4 blocs plus le plafond. Ok. Donc là, je remonte de 4 blocs plus le plafond. Alors, le sol va être là. Et là, ici, il va falloir gruger. Alors, soit je mettrai une petite marche ici. Je pense que ça sera le mieux. Donc, je vais reposer du bloc. Voilà. Il y aura une petite marche là. Le sol sera ici en hauteur. Ok, ok. Donc le sol y est là, donc on monte de 4 blocs au-dessus de ça. Alors. C'est ça, c'est 4 blocs. 1, 2, 3, 4 plus le plafond. Donc 1, 2, 3, 4 plus le plafond. Et après on fera un joli toit-toit à son pépère. Voilà, peut-être pas mettre de clé ici pour le coup. Vu qu'on va à le retour du mur. Non, je vais ressortir d'un cran de plus la poutre en bois. Alors, donc la poutre serait là. On aurait un peu de clé en plus. Donc du coup, ça, on décale de 1. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2.
2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Sauf que celle-là aussi, je dois le décaler de 1, du coup. Ouais. Voilà, c'est tout. On va décaler. Hop. Pas de viewers cet après-midi. En même temps, c'est le premier mercredi depuis la reprise de l'école, c'est ça? Bon, il y a des jeunes qui sont encore en vacances. Ouais. Je vais mettre des petites torches. Je suis un peu ballot là quand même. On va faire ça tout simplement. On va mettre une petite torche ici. Hop. On va passer là. On va refermer. Non, je suis à côté. Je suis à côté de la plaque. Voilà. Impec. Alors, donc logiquement, on aurait l'escalier qui repartirait de là pour faire le tour de la bâtisse. Et ici, normalement, c'est un mur plein avec des barrières comme ça là, comme là. Ça, je vais le changer au finish. Oh, peut-être pas, je sais pas en fait. Parce que le mur, la rambarde extérieure est comme ça, mais l'intérieur, je voulais mettre un truc plus simple. Mais là, ouais, je sais pas encore, on verra. Comme je vous ai dit, je suis complètement... C'est du YOLO complet. Alors, il va peut-être falloir que j'aille rechercher. Bien sûr. Non, mais c'est du foutage de gueule, là. Hop. Alors tout se passe bien, ça a l'air. Je suis désolé hein, pour ceux qui auraient aimé voir du farming. Je sais qu'il y en a beaucoup sur ma chaîne qui aiment bien farming. Mais là franchement... faut que je ziote tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, pour voir ce qui se passe. Ok, là une torche parce que ça peut spawner. Il va faire nuit, on va aller faire dodo. Ça, ça me permet de reprendre des ressources aussi. Donc vous l'avez vu, Tsari passer à 3 morts. Pas vu Tsari. En même temps, elle a été faire joujou dans le Nether, donc... Il paraît que c'est en revenant après le Nether qu'elle est. Ouais. Elle était restée un cœur et demi après avoir fait mumuse avec les piggy. Et puis en revenant dans l'overworld, bah elle est morte. Deux, trois, quatre, cinq. Un, deux, trois, quatre, cinq. Hop. Oh mais je suis vraiment à côté de mes pompes hein, les gens. J'arrête pas de tomber, je fais n'importe quoi. Hop. Ça me stresse quand même hein, cette histoire de farming là. C'est trois fois rien, tu vas redémarrer ton PC, ça va marcher tout seul. Parce que j'ai même essayé de redémarrer ma partie sur un autre slot de sauvegarde. Et ça démarre même plus, ça freeze et tout, ouais, peut-être qu'il faut que je reboote le PC, je sais pas. Non, pas là. Là ici il faudra une porte.
ici 1, 2, 3, 4, 5. Si je mets une poutre là, ici 1, 2, 3, 4, 5. 6, merde, il y aurait 6 et lock 5. Oh, est-ce que c'est bien gênant? Non, allez, on la met là et puis c'est tout. Fuck you. Faut que j'aille rechercher la clé. Il me reste que 32, ça suffira jamais à tout fermer. Voilà. Et on va mettre un peu d'éclairage. Parce que là, ça pêche. Voilà. Parce que, hein, on va éviter de se faire emmerder par les mobs. Tous les mobs, j'en ai rien à foutre, mais c'est les creepers. Si ça pète dans la baraque, le creeper, laisse tomber. Voilà. Une belle petite maison à son pépère. Une belle petite maison de garde. Allez, encore un quart d'heure, 20 minutes avant de faire une pause. Je crois qu'il y avait de la clé ici. Ouais. Hop, je prends une clé. Et on y va. Ah, parce que normalement ce week-end je devais tourner aussi avec les abonnés du samedi après-midi. Donc moi je serai techniquement présent. J'irai en mode tourisme me balader dans les Geeks Day samedi matin. Et ensuite un petit peu du dimanche. Tu peux pas me promener. Non. Bah si mon farming fonctionne, normalement il faudrait que je tourne avec les abonnés. Parce que c'est prévu depuis 15 jours, j'avais complètement zappé les Geeks Day moi, dans ma tête, de l'inode. Je crois que pour moi et deux, ils sont là que l'après-midi, pour les dédicaces. Oui, mais bon, s'ils sont en mode balade, etc. Bon. On se débrouillera pour les trouver. T'inquiète pas, je suis avec Utsari et... C'est le radar à roi Louis, elle, donc... T'inquiète pas que s'il faut repérer roi, elle va le repérer direct, elle. Alors, ici, on a la pop-porte. Du coup, c'est 4 au-dessus du sol, c'est ça? Je suis 4 rois, là. Bon. On va se refaire un escalier de bouse. Hein. Donc là, ici, techniquement, il faudrait que je remonte encore de 2. Voilà. Pareil, il va falloir que je retourne dans le Mesa, moi, bientôt, pour aller casser de la clé. Nom de Dieu. Quelle idée de vouloir construire beaucoup de trucs comme ça aussi. Oh, on est là pour se faire plaisir les amis. Hop là. Ah. Amine. Alors, c'est Amine Bounoua 93. J'espère que j'ai pas écorché ton pseudo. Me suis donc merci pour le follow. C'est parce que l'alerte n'a pas duré assez longtemps, tiens. Bon, merci beaucoup. Et bah t'es le premier à me suivre depuis que j'ai mis les alertes en place. Donc merci pour cette indication. Je sais qu'il va falloir que je laisse, que je reconfigure l'alerte pour voir plus longtemps les pseudos. Merci beaucoup pour ton follow, ami. Alors, bah, on est parti. Comme tu viens d'arriver, ami. Bah bonjour à toi. Salut à toi. Et voilà, normalement aujourd'hui c'était du farming qui était prévu. On a commencé avec farming pendant une petite demi-heure, mais j'ai eu un gros crash de farming. Impossible de sauvegarder la partie et tout.
Gros freeze du jeu, gros plantage. Et j'ai essayé de redémarrer le jeu et tout, ça n'a rien changé. Donc du coup, ben, on est passé sur du Minecraft. Donc voilà. On est passé sur du Minecraft. Donc comme j'avais pas prévu de faire du Minecraft, j'y vais complètement en mode YOLO. Donc là, on est sur le serveur Lucky Cube, notre serveur en UHC. Donc voilà, tranquillement. Non, c'est pas un serveur crack. Non, non, on le paye bien cher le serveur tous les mois. Alors, c'est un serveur dédié qui coûte bien c'est 40 ou 50 euros par mois. Mais on fait pas que du il n'y a pas qu'un seul serveur Minecraft dessus, il y en a plusieurs. Et en plus, il y a plein d'autres choses aussi qui tournent. Donc voilà. 2, 3, 4, 5. Si je me poutre là, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Je vais mettre un 4. 1, 2, 3, 4. Et du coup, au centre ici, on a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a du père. Qu'est-ce que c'est cette horreur? Si je fais ça, on a 4. 4, 4, ouais, bon. Allez, zou. Voilà. Pas grave, je reste. Bah, tant mieux, reste. Hop. Hop là. Alors, là ici, du coup, on va bouger l'escalier de bouge. Donc visiblement t'es pas un abonné de la chaîne YouTube Amine, donc je t'explique un petit peu ce qu'on fait ici. C'est un serveur Minecraft donc en ultra hardcore où on se fait des petits kiffs de construction, de la redstone, des choses comme ça. Il y a le côté survie, le côté délire et tout. Donc voilà. Tout simplement. Et là ici moi je suis sur mon biome où j'ai commencé à construire une petite base tranquille posée. Avec un petit manoir et tout, etc. Je vais descendre un petit peu pour te montrer. Hop. Ah, salut Zéclair. Non, il n'y a pas d'IP. Oui, c'est du 1.8 et il n'y a pas d'IP. C'est un serveur privé, Zéclair. Et salut à toi. Salut, salut. Hop, je vais prendre une vue lointaine pour ceux qui ne suivraient pas encore la chaîne et les épisodes. Alors. Voilà, moi je me suis installé dans un stalagmite. Et voilà, je fais quelque chose d'inspiration un petit peu médiévale. Et voilà, je construis un petit peu en mode YOLO. Surtout pour aujourd'hui parce que c'était pas prévu. Normalement, c'était un live consacré à de la simulation, jeu farming. Et ça a complètement foiré, donc hop, voilà. Donc on commence à avoir quelque chose de plutôt correct, de plutôt joli. Hop. Voilà. Je montre un petit peu. Donc s'il y a des blocs de boost sur certains stalagmites, c'est les stalagmites qui vont tomber. J'ai fait du repérage. Donc tout ça a été construit bien sûr en survie, en ultra hardcore. Le seul moyen de nous régénérer, c'est les popos, les pommes d'or et les beacons. Je vais y dormir. Hop. J'ai vu une forme de glace obscène. Oui, bon, en même temps, les stalagmites sont un petit peu bizarres. Hein. Est-ce que j'ai de la planche ici, moi, directement? J'ai que deux planches. Bon, je vais refaire des planches, je vais faire des slabs même. Toc. Hop là.
Allez, c'est parti. Donc vocalement, je suis accompagné de Vivi qui est sur le TeamSpeak. Donc c'est la Vivi que vous voyez à droite là sur le compteur de mort, hein. C'est la Vivi 59. Donc voilà. Lui qui n'est pas censé avoir aujourd'hui parce qu'il fait autre chose. Ah, qu'est-ce que tu me dis? Je peux te proposer un site pour anti-cheat. Ouais, je sais pas pourquoi tu... On n'a pas de problème pour ça, cela dit. Non, on n'a pas de problème de cheat, donc... Non, tout va bien. En général, on recrute des gens qu'on connaît, on sait très bien s'ils utilisent pas des Minecraft craqués. Ouais, puis en plus... En plus, il n'accepte pas les Minecraft craqués. Et en plus, là pour l'instant, il n'y a que techniquement une personne qui est OP sur le serveur. C'est Mister Momo. Et en plus, lui pour l'instant, il n'y a plus trop le temps de jouer à Minecraft. Donc voilà. Alors, autrement, question de cheat. On a tous le plaisir de jouer en survie. Parce que c'est un petit kiff aussi. Et voilà, donc on n'a pas de problème avec le cheat ni rien, donc tout se passe bien. Voilà. Non, tout se passe bien. En fait, c'est le délire du serveur, c'est que bon, faire du créatif pour faire du créatif, moi j'en produis sur ma chaîne, où je fais de la reproduction de bâtiments historiques. Bon, de la survie en tant que telle. Pour moi, tu joues une dizaine d'heures à Minecraft, t'as fait le tour de la survie. Parce que bon, tu fais quoi? Tu te fais une cabane, tu te fais du stuff, tu vas chatouiller les moustaches du dragon, tu fais quelques boss, un wither pour avoir un beacon ou je sais pas quoi. Il y a encore même la survie classique, t'as même pas besoin de beacon ni rien. Parce que dès lors où tu bouffes, t'as ta vie qui régène. Bon, voilà. Moi, je dis la survie en tant que telle, ouais... ça va bien une dizaine d'heures et après après voilà, tu te lasses du jeu quoi. Alors que là, bah là, le côté un petit peu ultra hardcore, bah, c'est qu'il faut faire un petit peu gaffe à ce qu'on fait quoi. D'accord, le cheat c'est un mode. Ok. Ok. Ouais. Non, on a quelques modes, mais c'est des modes clients local. C'est pour rendre le jeu plus beau. C'est quoi? C'est les shaders, c'est Optifine. Voilà. Bon, j'ai envie de dire en tant que tel. Voilà. De toute façon, on n'a pas. De toute façon, tac. On n'a pas les de commandes particulières ni rien. Donc voilà. Sur Epicube, il y a des gens qui ont des modes tout mani item. Et d'autres cheats, mais je vais parler si vous ouvrez le serveur publiquement. Ok, non, bah de toute manière, le serveur sera pas ouvert publiquement. À chaque fin de saison, là, c'est notre deuxième saison, à chaque fin de saison, on met une copie de la map en DL pour que les gens puissent aller dessus. Voilà, quand on a fini la saison, comme ça, s'ils veulent prendre le serveur pour jouer dessus, continuer à agrandir le truc, etc., visiter les biomes qu'on a aménagé et tout, parce que là c'est qu'un fragment de ce qui est fait sur le serveur, hein. Si tu suis pas trop les aventures, il y a plusieurs bases qui sont éparpillées sur le serveur. Il y a plein de choses. On a un spawn qui est immense quoi. On a pratiquement tout automatisé entre la bouffe et tout, ferme à fer, ferme à or, c'est de l'overkill quoi. Donc voilà. Alors, Gilby, je vous le conseille pour parler sans TS ni rien. Ouais, non, mais là, on a le TS. Moi, on est bien, quoi, non.
Parce qu'on s'en sert pas que pour ça, quoi. Du coup, on va se refaire. Non, on va se reprendre des poutres. C'est des poutres que j'ai besoin. Hop. Après, j'appellerai Utsari pour faire la déco de la maison. Bisous Utsari, si tu vois la rediff. Hop. Ah ici, c'est vrai, j'ai pas mis la poutre là. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, à 7e bloc. À partir de là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est là, la poutre, je vais mettre l'escalier, hop, on corrigera après quand on fera le rempart, allez zou, petite poupoutre. Donc pareil, on a plein de trucs sur le serveur. On a une énorme ferme à bois maintenant au spawn. Ça y est, on l'a fixé. Je crois... Ouais. Je crois qu'on l'avait pas encore annoncé, que ce soit en vidéo ou quoi que ce soit. Moi, en tout, j'ai passé 18 heures sur cette putain de ferme. Mais on peut absolument tout farmer, sauf le Dark Oak, bien sûr. Parce que bah, ceux qui connaissent Minecraft et la Redstone déjà... Et la mécanique du jeu, voilà, déjà le Dark Oak est par 4, donc on peut pas le mettre à une seule pousse. Et même si on faisait une ferme qui accueillait des bois de 4 par 4, quoi, de 2 par 2 pour faire du 4, on pourrait pas, parce que le Dark Oak a une force, a une résistance à la poussée qui est très grande. D'ailleurs, c'est pour ça, jusque en 1.7, on pouvait péter la bedrock sur le toit du Nether avec des Dark Oak. Ils ont juste... fixer ce truc là en baissant un petit peu la résistance à pousser du Dark Oak, mais voilà quoi, limite c'est comme si vous aviez des cubes d'obsidienne quoi, vous pouvez pas les déplacer avec les pistons. C'est quoi que je suis venu chercher, des torches. Hop, allez zou, je prends la deuxième stack pour mettre dans le coffre pour être tranquille. Est-ce que je vais avoir assez de nether briques? Certainement pas pour faire mon toit. Je vais prendre 3 stacks tout de suite. Hop. Voilà. Ça va aller tout doux. J'ai une armée de chiens, Vivi. Moi j'en ai que 3. Je m'en occupe plus en ce moment. Mmh, mmh. Wow. Après, on a d'autres choses à faire. Hein. Moi, j'ai un peu plus de temps libre en ce moment, c'est pour ça que j'en profite. Voilà. Ça sera pas tout le temps comme ça, je pense. Ici, je mettrai un bloc, du coup. Ça serait plus logique. Hop. D'accord. Ça, pour ça, les beacons, je déteste. Le haste 2. Le haste 2. Bon, je vais faire ça. Et là, ici, du coup, comme ça. En même temps, pour la mine, j'en ai besoin, entre guillemets, quand je mine, parce que ça me saoule de miner à 2 à l'heure. Mais, voilà. Et ça me saoulerait de devoir à chaque fois changer le beacon. Je crois que ce que je vais faire, c'est que par la suite, quand je serai bien installé là, si je fais un beacon avec des pistons par-dessus avec des blocs. Donc en gros, quand je voudrais des effets, j'activerai un levier, ça décalera un piston et tout. Donc j'aurai pas besoin d'aller remettre du fer ni rien dans le beacon. Vu qu'il sera déjà d'office activé, il y aura juste le rayon qui sera bloqué par un bloc au-dessus. Et voilà. Faire un très gros beacon au centre de la base et puis me dire voilà, si j'ai besoin. Non, si le ST t'embête, hein, tu prends des outils en bois. Hein.
En bois, tu sais. En dirt, le truc. Je veux pas que ça casse de trop. Ou en or, vu que l'or c'est ridicule. Non, le problème c'est qu'avec l'or, c'est que je vais pas trop diminuer en haste, mais je vais casser 10 blocs et ma pioche va être morte, quoi. Et ben voilà. Alors, on a quelque chose de joli. Alors. Elle commence à prendre de l'allure, cette petite maison de garde. On va commencer à monter le toit. Le toit. Est-ce que je pars sur un toit? Non, on va faire un toit plutôt classique ici parce que on va pas faire les coins qui retombent. Parce que techniquement, ça pourra pas passer avec le... Ici, là. Avec le garde... Avec le créneau et tout qu'il y aura. Alors je pense à ça ici. Comment j'ai fait là-bas? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Ok, c'est comme ça tout simple. Donc là, ce que j'ai fait, c'est du caca. Du caca boudin. Parce que normalement, c'est du bloc plein. Avec... Alors, ça vire, ça vire. Ça. Voilà, on ira chercher les escaliers après. Alors, on descendra après pour chercher les escaliers. Donc là, normalement, c'est du bloc plein et de la barrière au-dessus. Ok. Alors, on va partir de là, comme ça. Voilà. Et normalement, au-dessus, c'est de la barrière de Nether Brick. Voilà. Et là ici, je mettrai une dalle pour qu'on puisse hop, surplomber un petit peu, voir ce qui se passe. Sur le chemin de ronde. Et du coup, c'est de ce côté-là ici qu'il faudra des escaliers. Je vais chercher tout de suite ceux que j'ai fait tomber. Voilà. Une torche. Hop. Voilà, petite maison. Alors, on va commencer à poser les bases du toit. Il va être 4 heures. Et ben, ce que je vais faire, je vais faire une petite coupure tout de suite. Et on revient dans 10 petites minutes. On continuera à poser le toit tranquillement. Voilà. Allez, moi, je vous quitte là-dessus. Et je vous dis donc à tout à l'heure.